Pardon. Eh ben salut à tous, c'est Schizo, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Banco versus Impo. On est avec notre ami Roro, la communauté Twitch, faites du bruit. Et nous sommes sur un cycle Impo. Non, oui. C'était le bruit de la communauté. Ah, j'ai eu peur. Didi m'a fait peur. On s'est rajouté 350 000 euros en début, ce qui s'est passé toute la semaine, en fait, que les gars ont dépensé des points de chaîne et tout ça. Nous sommes sur la dernière barre avant le reset, donc on finit cette barre-là et après on reset la barre pour amener les compteurs à level 1, voilà, donc il sera tout à fait simple à faire. Et nous allons avancer un peu sur notre fils, notre femme et notre domaine. Parce que dans la vallée de Dana, je jette un dernier coup d'œil sur Roro et son herbe. Allez, let's go, dans c'est parti. Dans la vallée de Schizo, c'est parti en sucette, là. Darli dada, dans la vallée Schizo cherche des modos. Ah putain, les bonnes. C'est vrai, postulez. Vous pouvez envoyer un mail de recrutement, bien sûr, sur schizofab@gmail.com. N'hésitez pas. Non, non, n'essayez pas, ça marche pas. C'est pas Schizofab, c'est Schizofaf, c'est mon ancien pseudo. Vous pouvez toujours essayer d'envoyer un mail. Du coup, qu'est-ce qu'il nous restait à faire ici, notre ami Roro? Toi, il te reste quoi? Vas-y, dis-moi tout. Alors, pour moi, si je ne me trompe pas, on peut avancer le temps. Il n'y a pas de récolte. Nos vaches, Ah merde, je suis chez toi. Merde. Les moutons et les poules, c'est bon. Moi, de mon côté, on peut repasser une journée en tout cas. D'accord, bah moi je suis à 1 million, Roro est à 767 000, donc n'hésitez pas à claquer vos points d'impôt si vous voulez nous faire descendre un tout petit peu, ou claquer la barre juste au-dessus pour nous mettre un banco ou un impôt en individuel à quelqu'un, bien sûr. Et moi il fallait que je regarde du coup les vaches, ah j'ai une RTM à faire, j'ai une petite RTM à faire avant. T'avais pas un champ à la bourrée toi? T'avais pas un champ à repréparer? Non, tout ce qui est blé... Ouais. Attends gentiment de la croissance. L'herbe, c'est bon. Ouais. J'ai amené tout mon petit monde à la filature. Ouais. J'ai pas encore les balles qui sont sorties de la filature pour aller au magasin de textile. Textile. Donc, textile. T'as pas. Du coup, il va falloir avancer le temps pour que t'aies du textile, que t'aies du tissu pour fabriquer des vêtements. Comme ça, tu pourras peut-être changer ta casquette NH, qui est quand même complètement dégueulasse. Hein, qui c'est qui met NH en avant-première là? C'est nul NH. Oui, alors monsieur Crocodile Dundee, hein, le jour où tu auras le couteau, on en reparlera. Oui hein. Qui c'est qui a la ref là? Qui c'est qui a la ref? Pas sûr que beaucoup demandaient la ref. Tu as préfauché en bas? Non, j'ai pas préfauché en bas, c'est vrai. D'ailleurs, Roro, si tu vas aller me faucher le champ, le temps que je donne à bouffer, va me faucher le champ en dessous du 31 là. Va bosser, feignasse. Ouais, je sens le truc que ça va être. C'est bon, j'ai fini ma RTM. Ouais, bah moi j'ai juste de commencer à faucher. Ouais, mais vas-y, va faucher. C'est du supplémentaire. Tu peux y aller, tu sais. Et kikou tout le monde, kikou. Kikou. Comment vous allez bien? Est-ce que c'est la forme? J'ai trouvé un mode top. Tu emmènes de la laine à l'usine et fais directement des vêtements. Ah ouais? Bah, c'est en fait, ils ont switché quoi. Ils ont fait un truc direct où t'as plus besoin de faire les tissus quoi. Bon après, ça fait moins d'interactions. C'est vrai que l'usine peut être pas dégueulasse, ça peut être sympathique. Moi, personnellement, j'aime bien quand il y a pas mal d'interactions. J'aime bien. Je dirais pas que c'est ouf, mais j'aime bien. Hop là. Allez, on va donner un petit coup d'RTM qu'on puisse avancer le temps gentiment. Salut René, salut à tous ceux qui nous ont rejoints. Vous allez tous bien. Nous sommes sur une phase d'impôt. Pour l'instant, nous avons ramassé que 10 000 euros d'impôt. Voilà. Donc si vous voulez nous mettre un peu mal dans les finances, n'hésitez pas. Oh... Et à chaque début de live, il va me le faire, lui. Il va me démarrer la mage. Wow. Ton. Et la barre, elle a pété. Et merci pour le don. Merci beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnes, méchant. Comment ça, il n'y a pas beaucoup de personnes? Mais si, il y a du monde. Il y a du monde, on est monde. Salut, Montagnard. Du coup, est-ce que... Attends. Du coup, impôt, oui. Banco, à qui? Roro, Schizo. C'est vous qui choisissez. Qui l'a fait? Oh bah c'est toujours le même qui. C'est toujours le même, je pense. Je pense, hein, je suis pas sûr du coup. Hein. Mais je pense que c'est bon toujours matin, le même. Québec.
Bon matin du Québec. Bon matin du Québec. Oui, carpiste, y'a que toi qui a mis 10K. Que moi qui a mis moins 10K, oui, c'est ça. C'est toi le méchant, carpiste. C'est toi le méchant. On aurait pu se prendre moins 100K. Hein. On aurait pu se prendre moins 100K, c'est tout à fait vrai. T'sais. Du coup, level alors, 1... C'est moi qui l'ai pété pour mon Roro. Oui, mais banco ou impôt pour ma tronche? Banco Roro, impôt Roro. Comment ça se passe? Vas-y, dis-nous tout. Merde. Ah, puis je sais plus conduire, ah mon dieu. Parce que t'as su conduire un jour, toi? Oui, mais il y a très 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 longtemps. Du coup, on est sur level 1. Oh, j'allais dire une méchanceté, je vais te taire. Vas-y, 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 je suis tout oui. Non. Vas-y, je te dis, bordel de merde. Non, mais je sais qu'il y a des fois, je taille sec, mais là, non. Hop là, la barre en train de se faire reset, c'est reparti à zéro pour le reset. Banco Roro, ce qui ramène Roro sur le devant de la scène. Roro, peut-être qu'il va passer devant nous. Devant nous, peut-être qu'il va y passer. Du coup, j'ai reset la barre, vous l'avez vu sur le visuel, tout est revenu merci à zéro. Merci Montagnard pour les 100K en moins. Merci pour les 100K, ouais, c'est pas mal. Merci énormément. D'ailleurs, je sais pas si on doit le remercier quand on se fait punir comme ça. Je sais vraiment pas. Du coup, les derniers 250 000 euros vont bien sûr ajouter à Roro. Hop. 1, 2, 3. Et c'est parti. Hop là. Et hop, de rien. On se reprend. On se reprend quoi? Bah, on se reprend 100K. Ah oui, on se reprend 100K. On a deux fois 100K. Non, mais c'est bien parce que regarde, on a des chiffres équilibrés. Comme quoi que je suis encore devant de peu de sous. Voilà. Je suis encore devant de pas grand chose. C'est pas magnifique ça? Allez-y, claquez vos points de chaîne maintenant, hein, tant que je suis dedans. Hein, parce qu'après, c'est fini. Hein. Nice. Nice la galère. Hop là. Du coup, je suis toujours devant. Bon, j'ai pas perdu mon avance. Enfin, j'ai perdu mon avance, mais je suis toujours en mode ça devrait bien se passer. Il va me falloir une RTM. Donc, balle carrée, ok. Balle carrée d'ensilage, oui. Et il faut une balle de foin. Est-ce que je pourrais avoir une balle de foin? Oui, voilà, une balle de foin. Nice. Oh ah bah non, j'ai dit une balle, j'ai pas dit 50. C'est quoi ce truc? J'ai dit une balle. Là, tu m'as sorti tout le stock, quoi. N'importe quoi. T'es. Espèce d'assassin. C'est quoi le délire, là? Hop là. Du coup, attendez, mesdames, messieurs, c'est parti. Il va falloir que je me démerde à refaire de la RTM, parce que du coup, j'ai tout foutu en l'air. Je me retrouve avec 50 000 balles. Et les gars qui continuent à claquer des points de chaîne dans le chat. Voilà, nickel. Allez-y, dépensez vos points de chaîne. Ceux qui ont ramassé beaucoup là. Hein, je sais qu'il y en a qui ont ramassé pas mal ce week-end là. Enfin, cette semaine, pardon. Bah oui, avec tout ce que tu t'es craché. Ah ouais, je me suis bien craché la gueule sur SnowRunner là, le mercredi là. Ça a fait de l'argent là. Ah, ça a fait de la. Ça a fait de la. Des sous-sous. Ça a fait des sous-sous, c'est le cas de le dire. Hop là, allez. Ouais, dégage. Hop là. Nice. Heureusement que j'ai le coup de main, regarde. Ah non, au moment où je dis coucou ça, c'est là où cerise. Je... Coucou tout le monde, coucou tous ceux qui viennent de rejoindre. Et tu sais, MBS, je pense que le tracteur est plus jeune. Et salut Yoshi! Comment il va le père Yoshi? La forme? Alors on n'oublie pas les gars, les réunions dimanche. Hein. Yoshi, Titov, tout ça. Hein. Oui chef. Oui chef. Oui, my général. Je veux entendre oui, my général. Bonsoir, oui, bienvenue sur le live, salut. Yaman Caporal. On va bien le faire. Et merci Max pour le abonnement. Ouh, il y a une erreur dans le lot. Attends, il y a une erreur. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah bah oui, il y a une erreur. Une petite erreur, heureusement. Hop, save, tac. Voilà, coucou, c'est mieux. Petit dash. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Excusez-moi, j'avais fait une petite erreur sur la barre. Il y a BZH dans le chat, je vais me reprendre 500K dans la tronche. Mais c'est impeccable. Si. Allez-y. Non. Nous sommes revenus à égalité avec Roro. Est-ce que ça va y rester longtemps ou pas? Ça, c'est la question. C'est vous qui dépendez de tout ça. N'hésitez pas à nous punir. On est en zone impôt. Voilà, on a quand même du budget. D'ailleurs, je vais profiter de ce budget pour changer mon tracteur maintenant. Vous vous rappelez, j'avais dit que le MF, j'allais le changer. Du coup, je lui donne le RTM, on passe 24 heures. Et on va avancer le temps et on va changer le MF. Tu me laisses le temps de finir de faucher avant de passer 24 heures. Vas-y, je suis en train de faire de la RTM, moi. Je suis en train de faire de la RTM, donc tu peux y aller gentiment. De quel temps tu parles, Carpis?
Quel temps? Il dit, il reste combien de temps? J'ai pas mis le chronomètre. Mais on est à... On est encore à 20 minutes, je pense. Ouais, là, on est à 15 minutes. Yoshi, elle a été annoncée sur le Discord. Ah ouais? Il est pas au courant? Ouais. Non, mais c'est pour ça que je l'ai dit en live, parce que je me suis douté. Quelle réunion? J'étais pas au courant, et Titoff non plus. Bah si, Titoff, il est au courant. Bah si, il a répondu. Bah, il me semble bien. Dimanche, 17h. Sur le Didi. Du patron. Voilà. Du coup, balle ronde en silage. Il va m'en sortir combien encore? Roro, t'oublieras pas, t'as une facture chez moi à me payer. Hop, pardon. Ouais, tant que t'es milliardaire, là. Hein? Maintenant que Roro, il a des sous, il paye plus les factures. Il est où, mon télescopique, là? Hop là, il est là. Fais pas le malin, je te surveille. Hein. Je fous de gueule les boulets. Hop là. Hi? De quoi? Je fous de gueule les boulets. Je fous de gueule les boulets. Non, c'est Yoshi, cherche pas. La fatigue. Okay. Ouais, ok, d'accord. Cherche pas, c'est normal. C'est rien, c'est qu'ils ont pas vu le message. J'ai beau notifier 10 000 fois, si je les bip pas en perso, les gars, ils voient pas les messages. Normal. C'est des streamers très occupés. Des streamers trop occupés pour arriver à lire deux messages. Aïe, débarque. Du coup, moi, la RTM, ça va être bon, mon petit Roro, dans 30 secondes, le temps que je machine. Ça va être ouais. Bien. Bah, je dois être à 1 minute pour le champ. D'ailleurs, on dira merci à Roro qui a rejoint du coup les rangs de la Svita avant même de streamer. Voilà. Je vais le rajouter dans la... Je vais rajouter dans la semaine ou dans le week-end. Ça dépend comment je travaille ce week-end. Mais il va pouvoir rejoindre l'équipe Svita. Enfin, il va y rejoindre l'équipe Svita. Du coup, dès qu'il va lancer son premier live, vous aurez les alertes sur mon Discord. Vous aurez, bien sûr, si vous passez souvent sur ma chaîne, vous aurez les suggestions quand il sera en stream. Ça va être assez sympathique. C'est pas pour tout de suite. Alors, ouais, mais voilà, on a une petite surprise sur cette série dans les semaines qui arrivent. Alors, je dis pas à la fin du mois, pas la semaine prochaine, mais mois prochain, au cours du mois, il y aura une surprise sur cette série. Voilà. Vous aurez peut-être quelque chose d'assez intéressant. On vous dit rien, on vous spoil pas. Faut que je lui envoie ce qu'il y a déjà besoin. Hop là. Du coup, RTM, c'est bon. T'en es où avec le fauchage, toi? C'est fini. Bon, bah alors c'est cool. Je vais passer côté banque. Hop. À la banque. Yes. Et on va aller passer la journée. Hop. Rendre visite. Appuie sur le bouton. Démarrer 9h parce qu'on est en hiver. Appuie sur OK. Il est parti. T'arrives à suivre, mon petit Roro? Parce que je te cacherai pas que j'ai légèrement décroché. Oui, ah bah ça j'ai bien pensé. J'ai pas ça. Fait exprès, hein, mais j'ai légèrement décroché. Bah, j'ai légèrement décroché. Pour l'instant, il me semble que j'ai rien loupé. Non, mais on va demander à ChatGPT de calculer les points pour nous, t'inquiète. On va le faire en direct. Ça va être assez intéressant. Puis tu vas faire ça comment? Je sens le truc qui va bugger à fond. Non, ça va pas bugger, t'inquiète. Ça bug pas, ça marche super fort en plus. Ça marche super fort leur connerie. Hop là. Du coup, je suis à 1 081 000. J'ai les vaches à vendre, je vais vendre les vaches. Roro est à 1 million 13 000. Bon, avec l'impôt qu'on est en train de se manger, je pense que ça va descendre un peu les finances. Ça va pas faire de mal. Donc je vais en profiter pour acheter mon tracteur. Je suis d'accord avec les comptes de Titi Seb. Moi, 270, ouais. Pour l'instant, c'est ce que j'ai aussi. Oui. Alors toi, tu fais semblant d'avoir quelque chose. Hein. Comment ça, je fais semblant? Comment ça, je fais semblant? T'oses dire que je trollerai? Je serais pas capable de calculer ce qu'il faut calculer, plus animer le stream, plus faire mon gameplay, plus te mettre une branlée dans farming? Ouais. Oui. Je suis capable de tout faire en même temps. Tu me connais mal. T'es... Oh, mais il y a des tracteurs en promotion. C'est pas magique. C'est magique, ça. Un petit fent. Ah bah là, les gars, ils vont me kiffer, là. Chargeuse avant, nice. Chargeur quick. Configuration des roues, pneus étroits, non. Ah si, il faut les pneus étroits. Ah ouais, si, il faut les pneus étroits. Pneus étroits, 700 vario. 246 chevaux. 228, 209. 150 chevaux. Je m'en rappelle plus, il fallait combien de chevaux pour ce que j'avais là?
Ah, je vais prendre 246, hein. Pour me faire chier. C'est lacune, demi-chose. Oui, 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 je suis d'accord, MBS. Ouais, je vais prendre 200 chevaux, je vais prendre le 720. D'accord. 720 Vario avec l'Easy Compact. Et oui, Pépin, en effet. Et le Quick en chargeuse avant. S'il y a besoin. Hein. Il n'y a pas forcément qu'on aura besoin tout de suite, quoi. Du coup, on n'a pas trop perdu au change. D'ailleurs, on est toujours devant Roro. On est toujours devant Roro en ayant acheté un petit Felt. Oui, oui, mais jubile, jubile. Je gagne de l'argent pendant que t'en perds. J'en ai pas perdu. Attends, j'ai pas vendu mes vaches encore, hein, moi. Ouais, moi je me suis pas encore occupé de mes moutons. Ouais, hein. Bah, dépêche-toi de t'occuper de tes moutons, il faudrait pas qu'ils perdent leur laine sur le dos, tu sais. Faudrait pas que le loup vienne en manger un, d'ailleurs. Ça serait dommage. Ouais, ouais, ouais. Tu sais ce que je dis au loup? Non, Schizo, tu sais faire qu'une demi-chose à la fois. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, je suis qu'un être humain. C'est compliqué de faire deux choses à la fois et une chose bien, c'est pas possible non plus. Faut que je fasse comme je peux et ce que j'ai. Salut le riche. Non, c'est salut les riches là. On est à égalité, tu sais. On est à égalité, donc. Première fois dans. Ouais, depuis le début qu'on est à l'égalité. Oui. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé vraiment avec, avec un truc. Égalitaire, on va dire. Vraiment, vraiment. Du coup, attends, je vais aller chercher mon Fent, moi. Allez, alors, Fent. Ça ne tient qu'à vous. Soit en nous mettant des impôts à nous deux, soit en faisant péter la barre et en lui mettant plein d'impôts Schizo. C'est moi qui l'ai en électrique? Oui. C'est à moi l'électrique? Je me rappelle même plus que j'avais acheté l'électrique. J'avais déliré. Oui. Oui, d'accord, fait, ok, d'accord. J'avais déliré. Oui, oui, t'avais trop de thunes. Là, c'était pour me narguer. C'est cool, j'ai du tracteur de partout, je sais même plus quoi en foutre. On a même pas le droit à l'ouvrir en plus. Et oh, mais y a du boulot là. Aujourd'hui là, je vois que t'as de la récolte, moi j'en ai aussi de l'autre côté. J'ai du maïs à récupérer en ensilage. On va pouvoir lancer en fertilisation, en fermentation. Moi j'ai une question au niveau de la récolte. Tu veux pas qu'on essaye de regrouper un peu nos récoltes? Si, tu peux. Tu veux regrouper comment? Vas-y, explique-moi le principe que tu veux faire. Bah, je sais pas, moi je grouperais bien le 14, 24, 22. Enfin, ouais. Je grouperais bien un peu tout mon blé en même temps, en fait. D'accord. Eh ben, écoute, on fait la récolte, on groupe les champs si tu veux. Je vais sortir la moissonneuse et je vais venir, on va faire ça ensemble. On doit attendre que tous les champs soient prêts pour la récolte, pour grouper. Oui. Ils sont pas tous prêts? Ah non, t'en as quelques-uns. Bah, t'en as quelques-uns qui sont prêts, toi. J'en ai que deux qui sont prêts, donc est-ce qu'on les récolte maintenant ou est-ce qu'on les ou est-ce qu'on attend puis qu'on les récolte après? Non, on va les récolter maintenant, comme ça sera fait. Ça sera plutôt okay. Tranquille, tu sais. On est à combien de temps là? On est à 17 minutes, ok, donc j'ai le temps de me taper peut-être une petite récolte rapide sur le coude. Ce sera pas dégueulasse. Hop. On va aller chercher... Bah non, je vais pas prendre le tracteur, je suis tout seul, je vais le laisser là. Je vais aller prendre... hop là, le petit fan tout neuf, là, que ça va être pas mal. Le Zetor, on va le garder en déco et on va pouvoir modifier le... Comment il s'appelle? On va pouvoir enlever... Je vais prendre l'électrique pour m'occuper de la ferme. Du coup, on aura un chariot télescopique en électrique. Aïe, je t'ai pas dit de me prendre la tête. Voilà, j'ai cassé la moissonneuse toute neuve. Même pas fini de payer, c'est déjà cassé. On aura un chariot télescopique en électrique avec pour faire les RTM en électrique aussi, avec le Rigitrack. Et que je vous rappelle, c'est un tracteur suisse d'ailleurs. Comment te dire que... Rigilet. Non, c'est Rigitrack, c'est pas Rigilet. Tu te calmes avec ta gourmandise. C'est... Non mais oh. Quoi? Moi, on m'a toujours dit, il faut être gourmand dans la vie. Pourquoi il faut être gourmand dans la vie? Parce que plus t'es gourmand, plus t'en as, plus tu grossis. Non, 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 parce que quand tu en as, bah tu savoures. D'accord, ok. C'est étroit chez toi, Schizo. Ouais, j'avoue que c'est... C'est un peu serré, mais ça va bien se passer, tu sais. Ça devrait bien se passer, du moins. Non, 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 Anto, c'est juste qu'il voulait me foutre... il voulait me faire rager, donc... moi, je prends l'électrique. Il a même pas posé la borne, tu vois, un peu comme il est écolo. Non, j'ai pas posé la borne, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je la poserai plus tard, la borne. Là, je vais déjà récolter ta misère, là. D'ailleurs, tu m'as dit, c'est quel champ? C'est quoi et quoi? C'est celui que je suis à côté, là? Et t'en as un vers toi, vers les poules, non? C'est ça?
C'est ouvre ta map. C'est ouvre ta map, d'accord, ok, merci. Tu ramasseras ton herbe aussi quand t'auras 30 secondes, hein, si tu sais pas quoi faire. Non, elle est très bien là où elle est, mon herbe. Comment ça? Il y a des andins partout, si tu vas agrandir les champs, faut avoir trop de choix. Hein. Ouais, mais pas ceux-là. Pourquoi pas ceux-là? Parce qu'il y a mes andins. Tu prends la paille ou pas? Hein? Ben non, la paille elle est pour toi. Oui, mais paille. Je fais de la paille. Ouais, je fais de la paille, oui, mais c'est ça. T'as vraiment une mémoire de poisson rouge, hein. Ah non, mais je préfère confirmer qu'on me dise pas que je triche et puis que tu m'en mettes plein la gueule après en mode faute, Skizo il triche, c'est pour ça qu'il s'en sort. Vous voyez comment il fait? Hein, non seulement il admet pas qu'il a une mémoire de poisson rouge, mais en plus il dit qu'après c'est à cause de moi. Alors les viewers, on est d'accord, c'est pas ma faute là. Hein? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Moi je pense qu'on est d'accord. Moi je pense déjà, je lis dans leurs pensées et moi je pense qu'on est vraiment d'accord. T'sais. Oui, bien sûr. Oui, oui. On est tout à fait d'accord. Merci, merci. Tu vois, c'est ce qu'ils disent dans le chat. Non, ils disent rien dans le chat. Ah mais ça, la rediff YouTube, ils le savent pas. Oui, bah justement, c'est pour ça que je le dis. Ça va bien se passer. Du coup, je vous rappelle que la barre était reset, donc là maintenant, il faut que 10 points. Donc 10 subs, 1000 bits et 10 euros de dons, ça fait automatiquement un level. Hein. Et c'est 100k que vous nous rajoutez, vous nous enlevez. Donc n'hésitez pas, voilà, ça profite à chacun. Ça a été reset complet. Ça refait un petit redémarrage, comme ça les barres sont moins difficiles à accéder. Voilà, c'est des paliers de 10 au lieu des paliers de 60. C'est toujours bien. En tout cas, merci à vous, merci à tout le monde, que ce soit sur YouTube, Twitch et tout ça, de participer à cette grande série Banco versus Roro. Parce qu'elle pourrait pas vivre sans vous tous. Et franchement, vous êtes tous à participer des deux côtés. Et ça fait énormément plaisir. Et même, il y en a plein qui participent maintenant la semaine à venir en live sur les prédictions, tout ça, pour arriver à récupérer le maximum de sous. Et franchement, maximum de points de chaîne pour nous faire dépenser le maximum de sous. Et ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci énormément. Et merci pour les 100 bits, mama. Mama. Merci beaucoup. Mama. Oh. Oh. Du. Et c'est. Oh putain. Je fais des conneries. Non, c'est bon. C'est encore du blé là-bas? Non, c'est de l'orge là-bas. Normalement, c'est du blé partout. À moins que je me sois vautré. Ouais, tu t'es vautré. Tu t'es vautré, t'es mauvais. Mais non, ça fait longtemps que j'ai plus joué. Ouais, ça fait longtemps que j'ai plus joué. T'as d'autres des excuses comme ça, tu sais. Et on me dit que t'es mauvais pour ma santé mentale. J'ai vu une injustice sur YouTube, c'est pour ça que je suis là ce soir. Qu'est-ce que t'as vu comme injustice? Ouais, il va falloir que tu bouges ton télescope si tu veux que j'aille tondre la pelouse chez toi là-bas. Enfin, pas tondre, mais récolter là. Mais tu me laisses prendre ma palette, oui? Et vire là, tu t'es chiant, t'es au milieu du passage. Mais ouais. Là, je vous jure. Je ne vis que pour ça, je ne vis que pour te faire chier au patron d'amour. Attention, Roro télescopique. Roro télescopique, mesdames, messieurs, bonjour, c'est un record. Oui, il emmènera sa palette, il emmènera jusqu'au bout, regardez. Le joueur suisse, est en train de passer la dernière ligne droite. Et tu peux prendre la palette de tissu, la ramener aux vêtements, hein, si tu veux, hein, dans l'élan. Mais tu permets que je finisse avec ma laine, oui? Oh. Et ta laine, elle est finie, il n'y a plus rien, là. Tu parles, j'ai deux bergeries. J'ai deux bergeries, tu parles. Et tu peux pas t'acheter un plateau pour mettre ça sur le plateau? Feras moins galérer, tu sais. Comment ça, non? T'es mauvais, là. Et merci pour les 1000 bits, Rodem. Merci beaucoup. René. Bah, il a fait péter la barre. René. Alors, René, un pot Roro, Banco Ronro, un pot Skizo. Banco Skizo. La question à 10 000 euros. Enfin, la question à 100 000 là plutôt. Hein. On est sur la question à 100 000. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah oui, merde. Pardon, excusez-moi. Destruction de culture. Oui, j'ai fait le con, je l'admets, mais c'est toi qui es con aussi. T'as pas planté la même chose, tu me dis que t'as planté. Elle a planté du blé, cet idiot là. Et t'as quoi? Bah là, j'ai de l'orge là. Pourquoi? T'as quoi dans la remorque là? J'ai rien normalement dans la remorque. T'as rien dans la remorque? Ah si, t'as quelque chose alors. Non, j'ai du blé. Oh, c'est du blé. Et moi, comment je fais avec mon orge là? Faut que j'aille chercher une remorque à moi, c'est ça? Non, tu vas le mettre dans mon silo. Ouais, faut que j'aille chercher une remorque à moi, quoi. C'est pas ce que je dis. Comme si tu pouvais pas foutre ça directement. Bah non, bah, je suis trop loin. Banco patron. GG, merci beaucoup. Du coup, 250 000 de plus. Hop, 250, 1, 2, 3.
là. Alors déjà, t'es gentil, tu enlèves 150K, hein, parce que la barre elle est à 100K. Ah oui, merde, pardon, excuse-moi. Ah, hein oh, excusez-moi, il y a eu tricherie, j'avoue. J'ai dit 250, donc c'est 150, oui, pardon. 150, 1, 2, 3. Soleil. 1, 2, 3, soleil, pardon, c'est vrai, non, 100K, patron. Ouais, pardon. L'habitude. Puis on sait jamais dans le doute, hein. Si ça aurait pu passer. T'as raison, sur un malentendu, ça peut marcher. Sur un malentendu, ça aurait pu prendre, hein. Ne me jetez pas la pierre d'avoir tenté une tentative de fraude fiscale à la banque suisse, hein. Comment te dire, ils s'enrichissent trop, tu sais, donc. Voilà, t'sais. Combien de temps avant la fin? Là, il reste exactement 10 minutes, d'après ce que je vois. Moins 10 minutes. Ouais, sinon, à peu près 10 minutes, même pas. Il doit rester 7 à 8 minutes, là. C'est sûr, hein. Oui, je suis sûr. Anto, il a une bonne idée. Y a... Tu devrais mettre 20K à la banque pour cette erreur. Oui. Allez, tu sais quoi, je suis bon prince. Vous savez quoi? J'y vais être bon prince? Comme ça va être à mon avantage. Mais vas-y, transférer de l'argent. Voilà, je mets 20K. 20K d'erreur. Voilà, hop, je l'ai donné. Nice. Voilà, 20K. Nice. Ouais, trop d'argent. J'ai été honnête. Je l'ai fait. Comment mon fait-on Dieu. Pour les dons? Bah, c'est pas compliqué pour les dons. Tu fais un point d'exclamation don. Voilà. J'en ai perdu ma palette tellement que j'ai été surpris de ton honnêteté. Et puis tu cliques sur le lien et puis tu peux faire un don à la chaîne. Voilà, tout simplement. En sachant que là, les paliers sont des tranches de 10 euros. Enfin, là, on est à 11 euros parce qu'on est sur le level 2. Donc, et puis encore, non, il y a des points déjà qui sont quillés. Donc là, il faut 9 euros pour péter un levier. Et c'est pour ça qu'on vous la reset. C'est histoire que ça redevienne compétitif et qu'il faut pas lâcher des 150 balles pour dire que ça soit trop cher. Mon Dieu! Ton, 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 ton! GG pour le don. Merci beaucoup, merci. Alors, impôt patron, impôt ski. Impôt patron, oui, impôt patron, impôt roro, banco patron. Ça sera très banco, bien. Banco roro. T'influences, après il dit que c'est moi. T'sais. Oui, toi aussi. Après il dit que c'est moi. Pouf. Non, mais. Je te comprends, roro. C'est très difficile, tu sais. Non. Si, c'est très difficile. Difficile. Alors, de te rendre compte que le maître du crédit avait une stratégie mieux que la tienne, quoi. C'était une stratégie plus jouable dans le temps, tu sais. Oui, alors après, on pourrait s'amuser à aller voir sur Steam le nombre d'heures que t'as sur Farming Simulator et moi le nombre d'heures. Ah, voilà, direct, là, tu viens mettre l'expérience. T'es un banquier d'expérience, moi je suis un créditeur d'expérience. La preuve que mes investissements payent toujours. D'ailleurs, j'ai pas vendu mes vaches. Il va falloir que j'y pense à vendre mes vaches. Avant la fin de l'épisode, là, il faut que je vende mes vaches. Là. YouTube, rappelez-moi dans le commentaire si j'ai pas vendu les vaches, traitez-moi de tous les noms. En étant gentil quand même, parce que sinon, le bot il va faire de la merde. Mais du coup, on sait pas. Oh, inconnu qui a fait péter la barre. Ah, mais c'est pas l'inconnu, c'est le même que tout à l'heure. Je pense. Ah. Donc à lui, de choisir. Oui, c'est le même ici, SLID. C'est le même idée, donc je pense que oui. Patron, le meilleur joueur français. Bah oui, bien sûr. Bah vous attendez à quoi? Franchement. Qui c'est qui peut se permettre d'avoir du talent en autant que le mien, de créer des concepts jamais été fabriqués sur les réseaux, hein? Des concepts de vidéos inédits non plus, hein? Il y en a plein des concepts, hein? Meilleur créateur de contenu farming, ça reste moi, c'est vrai. Je serais reconnu pour mon talent qu'à ma mort, de toute façon, je vous l'ai dit. T'sais. Ça va, Schizo, les chevilles, elles enfent pas trop? Non, c'est la moyenne, normal. Mais non, bien sûr qu'il y a meilleur que moi, heureusement. Mais on est dans un bon délire, quand même, on est dans un bon bout. On va traiter de meumeu, lol. Vends tes vaches, oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, je vais les vendre, mes vaches. Mais regarde, je devrais aller vider, tu vois, ma trimi, là. Je voudrais bien aller la vider. Il y a un enfoiré qui a fait tomber un arbre en face de moi, quoi. Comment te dire que comment c'est compliqué, quoi. Oh, tout de suite. Ouais. Mais je peux pas passer, il y a du matériel partout, je peux même pas aller au silo. Hey, Roro, il va falloir ranger chez toi, c'est le bordel, hein. Mais fous-moi la paix. C'est le bordel chez toi, là, on peut rien faire, là. C'est quoi ce merdier, là? Fous-moi la paix. Je vous jure.
Vends tes vaches. Oui, je vais vendre mes vaches sans poil. Y'a pas de soucis. Je vais déjà aller vider ça, là, dans son silo, là. Hop. Je vais vendre ça dans son silo. Je vais reprendre ma remorque. En plus, je suis obligé d'utiliser mon matériel, ma remorque et tout ça, pour pouvoir jouer, là. C'est un truc de fou. Hein. Là, on est obligé de faire le exactement, tour. Exactement, MBS. Exactement, merci. Un bordel organisé, t'as pas compris. C'est vrai. Oh, oui, encore. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si on peut dire que c'est vrai. Je suis pas sûr que ça soit vrai, en fait. Ah. Pas de juron. Bah, j'ai pas juré. Bah, écoute, a été récupéré, pas de juron. Oui, ça, je l'ai vu, ouais. Mais j'ai pas dit voilà. Juron. Non, bah, t'as plus le droit, maintenant, hein. Oh. Hein. C'est sûr qu'il y a quelqu'un de meilleur que toi, sinon comment s'améliorer, c'est vrai, c'est vrai. Puis tu dois pas faire du repos pendant combien de temps? 5 minutes. 5 minutes? 5 minutes. Ah, c'est pas assez. Si, c'est très bien. Ouais, tiens, allez, foutez-moi moins, allez, hop, moins 10K pour la banque, parce que mon matériel est pas rangé. Allez, vas-y, c'est la teuf. Attends, il y aura les points, là, on va pas tarder, là, on est sur la fin, là. Attends, bouge c'est pas. C'est la fête du thing. Hop! Encore un don, 12 balles. Mais c'est le même! Faut me nous dire l'avantage, désavantage! Eh ben, je me suis accroché dans la roue de secours. Tu crois que c'est la roue de secours qui m'a fait chier? Truc de fou. Merci pour les petits dons! Transfert, merci. Il est marqué 10 minutes. T'as voulu nous fouer sous la longueur du pavillon. Hein. Ah, c'est possible, c'est possible. My bad. 10 minutes, c'est pas grave, 10 minutes. Oh, mais quel escroc tu fais. Du coup, avantage à Roro, désavantage à Schizo, avantage à Roro. Non, BZH, c'est pas toi. Un pour Roro, les deux. Si, je crois que c'est BZH. Je suis pas sûr, tu m'as dit que c'était le même qu'avant. Eh ben, attends, je regarde le SSID. Ouais, si, c'est le même. C'est BZH, si, c'est BZH. BZH, Roro, si. Roro. T'es sûr? Parce qu'il me l'a marqué. Il me l'a marqué. Un peu au relais de BZH, comment te dire? Pourquoi autant de haine? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Je me suis montré pas gentil dans une ancienne vie. Hein? Yeah! 200 000 euros de perdu pour notre ami. Wow! Pat! Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, je reste devant. Hop là. Excusez, il faut que je bosse un minimum, hein, après. Hop là. Du coup, tu mesdames, restes, messieurs... Oui. Ça va être le moment des comptes, là. C'est ça. C'est ce que j'allais dire, exactement, tu vois. Donc, on a le bon timing tous les deux. Hein. Nous sommes en intermission. YouTube, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à nous dire ce que vous en pensez, tout ça, la politique. Hein, qu'est-ce que vous croyez que Roro me rattrapera un jour? Est-ce qu'il aura les capacités ou pas? On se dit à la prochaine. C'est mal barré, là, je m'en prends tellement. Ah, garde un peu d'énergie pour le deuxième épisode. Ciao, bonsoir, ciao les gars.